Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle aujourd'hui, comme toutes les vidéos j'ai envie de dire, du draft, mais pas n'importe quel draft, le draft de Valentin. Et ça c'est incroyable. Du coup on arrive, il y a déjà une victoire, il y a déjà les pics qui ont été faits, vous allez dire ouais, mais qu'est-ce qui se passe, c'est un scandale. Mais non, ce n'est pas un scandale, on va vous expliquer. Pendant son Daily Qualifier, donc un tournoi qui a eu lieu, enfin des tournois qui ont lieu tous les jours d'ailleurs, auquel Val a participé la semaine précédente. Yes, mercredi dernier. Mercredi dernier, voilà, il a, en attendant les rondes, parce que certaines se sont finies bien plus rapidement que d'autres, il a drafté et il a fait une game et il n'a pas eu le temps de continuer. Donc on s'est dit, eh ben, on va le faire en vidéo, parce que ça fait plaisir. On va vous montrer le deck. Moi, je précisais que j'ai été harcelé pour faire ce draft. Et tu as été harcelé, mais tu es harcelé de toutes parts pour faire des drafts. Et du coup, on va parler un petit peu de ton deck, de tes pics. Et puis ensuite, on va partir en game, voir combien on peut faire avec ce deck. N'hésitez pas, du coup, avant, si vous voulez nous soutenir, à faire un petit tour sur la page Utip. Utilisez le code VALPL, sinon sur la boutique Magic Bazar, notre sponsor dans la description. Merci beaucoup à eux. Ça vous donne un booster en fonction du montant de votre panier, pardon. Et en plus, c'est utilisable par les nouveaux, les anciens clients, par tout le monde, une fois par compte. Merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront d'avance. Code créateur Magic Arena FR sur Boutique Epic Game Store, c'est gratuit, ça nous soutient également, merci. Du coup, ce deck, chante-nous un petit peu les louanges de ce deck. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans mon premier pack First Pick, j'ai ouvert Mayor's Grasp, donc c'est en français Emprise de la Fondrière, qui est la meilleure commune du set, loin devant même toutes les incos, et qui peut se First Pick même devant des rares, tellement la carte est puissante. C'est un anti-bet d'early qui trigger sur Constellation et le thème enchantement dans Theros. Donc quand j'ai vu cette carte là et le reste du pod était un petit peu faible, je suis parti en first pick en prise de la fondrière. Sur les picks suivants, j'ai pas voulu me commit sur une deuxième couleur, je voulais rester très open et voir un petit peu ce qui allait m'arriver. Donc j'ai pris un Catoblépas qui était une carte classique de deck noir qui peut faire de la gestion. J'en ai un deuxième d'ailleurs dans le side qui pourrait passer main deck. Ah ouais, j'allais dire, plus tard. Main deck c'est pas mal. Et j'ai attendu de voir un petit peu à quel point les autres couleurs étaient open. Et les premières couleurs qui m'ont paru le plus open, parce que les bots m'ont passé notamment des emprisonnements des titans, des typhons voraces, des renatas, c'était le vert. Donc en fait, j'étais assez open sur les premiers pics pour ma deuxième couleur. Et très vite, le vert était libre à la table. Du coup, j'étais vraiment dans le meilleur siège pour drafter Golgari. Ça s'est apparu vraiment comme une évidence. Et quand vous voyez la finalité du draft, vous voyez que j'ai un peu toutes les meilleures cartes qu'on puisse réunir. Y a des Ultimate Death qui m'ont été passés milieu de pack, donc c'est à dire que les mecs draftaient vraiment pas noir. J'ai eu un enjambeur du malheur qui a été mon first pick du deuxième pack, qui est une carte plutôt décente et qui dans l'archétype Golgari me permet d'avoir de l'escape. Et comme j'ai un nombre de créatures plutôt faible, je crois que je suis à 14 créatures, bah en fait je rehausse ce nombre avec l'escape entre guillemets. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite le reste du deck c'est du liant, de la synergie enchantement constellation, des bonnes bêtes, des bodies, des interactions et aussi des cartes de splash, parce qu'en fait en troisième pack first pick j'ouvre Klothys. Et Klothys est une bombe dans le format qui est très difficile à battre, à racer. Elle va disrupter les plans de jeu escape de l'adversaire et vous allez pouvoir juste coller 2 points de dégâts tous les tours à votre adversaire si tout se passe bien et gagner de PEV. Et gagner de PEV en plus. Et c'est vraiment très très dur à battre. Et comme je joue une base verte assez solide et que j'ai pas mal de fixing, notamment avec Vagabond Nessian, alors l'emprisement des titans je le compte comme un demi-fixing, à la poursuite implacable, augure de la chasse, amulette du voyageur. Le splash de cette Klothys, elle est presque gratuite, il est presque gratuit entre guillemets. Ça a l'air et voilà, donc c'est un peu l'idée du paquet. Ça a l'air plutôt solide sur le papier. On a aussi des petites interactions sympas, notamment avec la faveur de Mogis et l'Eidolon haineux. L'Eidolon haineux qui peut me permettre de piocher des cartes, notamment sur les emprises de la fondrière, sur toutes ces petites synergies là. Et faveur de Mogis, c'est un anti-bet récursif quoi. Donc, donc ça devrait pouvoir marcher pas trop mal. J'ai pas énormément d'expérience dans le format Theros. Après je sais quand même drafter et je connais à peu près les archétypes viables, mais c'est vrai que sur le gameplay je devrais avoir un peu de manque. Donc ça va être sympa là de faire ça à deux quoi. Bon, en tout cas, il est très nice. Alors, Berserker, c'est une très bonne carte. Genre, vraiment, c'est très fort. Une 5-4 qui, en plus, va donner +1, +0 indestructible à tes bêtes. Je vois dans tes pics. Tu préférerais Berserker à un précurseur de Nilea, typiquement? Ouais, peut-être faire 1-1, c'est pas mal. Parce que lui, il avait l'upgrade d'être enchantement. Après, j'ai quand même pas mal d'enchantements. Ouais, ça dépend à quel point tu veux trigger enchantement, mais à part le satyre, je crois que t'as pas grand-chose. Non, pas tant que ça, mais... De spécial, non, t'as... Non, t'as que ça. Moi, que le satyre. Plus besoin de trigger Constel autre que sur ce satyre et sur les enchantements aura avec l'Eidolon. Ouais, donc ça doit avoir du sens d'enlever un précurseur pour lui. Ouais, et normalement, j'ai un deuxième Catoblépas si je dis pas de conneries. Ouais, il est là. Genre, la vipère de mousse, c'est pas déconnant comme bloqueur, mais bon, t'as un meilleur early. Mon deck est tellement solide que je dois pouvoir me passer de vipère de mousse. Par contre, Catoblépas, c'est vraiment très très bien. Surtout que t'as pas mal de dévotion en noir. Je me demande si on peut pas le rentrer dans ce deck. Je sais pas trop à la place de quoi. C'est difficile. Hein. Et difficile, je voudrais pas descendre la place. Ouais. Peut-être un emprisonnement. Est-ce que c'est vraiment très important d'en avoir deux? Ouais, alors moi j'étais pas très haut sur la carte. On m'a expliqué que c'était un des enableurs préférentiels de Golgari et qu'il fallait absolument piquer ses cartes et les jouer très fort. Quoi. Ok, ouais. Enfin, une, ouais, mais je sais pas si deux c'était pas. Si. En plus, il y en a une troisième que j'ai essayé de faire wheeler. Et j'ai réussi à faire wheeler la plupart des cartes vertes que je voulais, étant seul drafter vert à la table. J'ai vraiment réussi à récupérer des bonnes cartes en fin de booster. Et la troisième en prise du titan, je ne l'ai pas récupérée. Donc c'est pour dire comme les bots la draft haute en fait. Parce que même s'ils ne jouaient pas vert, ils l'ont contre-draft. Ok, ouais, je vois pas trop comment rentrer ce Catoblépas, à part juste en mettant 41 cartes. Mais... Non, vas-y, viens, on reste comme ça. Et puis au pire, si on a vraiment besoin de beaucoup de gestion, là, on le rentrera plus tard. Après, c'est un drop 6, donc c'est quand même... Voilà, c'est quand même dur à... si on en a plusieurs en main, mais bon. On est parti. C'est ça. Ouais, let's go. Et allez, on est parti. Ah, ça fait plaisir de faire des petites games de draft en vidéo, là. Je te cache pas. Ah, carrément. Ça me régale. Et je vais boire même un petit peu d'eau. Oh là là, simultanéité. Il a l'air un peu synergique, un peu boubouillet game. Enfin, il a l'air de faire des trucs, ce paquet-là. En tout cas, à la fin du draft, j'étais plutôt satisfait. Bah, c'est un Golgari, donc forcément, c'est un bon deck. Déjà. C'est ça. Mais j'ai les bonnes cartes, surtout de l'archétype. Tu vois, j'ai pas forcé Golgari. Ça s'est apparu à... Ça s'est apparu à moi naturellement et c'est toujours très rewardant d'être dans le bon siège, de drafter les bonnes couleurs qui t'arrivent plutôt que de forcer d'autres couleurs. Quoi. Oh, c'est bien ça. Ouais, c'est très nice. Ouais, Lampad est une carte incroyable d'ailleurs. Je l'ai mangé en cube et c'était incroyable, alors j'imagine en limité ce que ça fait. Lampad de la veille des morts. Qu'est-ce qu'on fait, Lampad ou emprisonnement plutôt, first? Je dirais que Lampad sur un board vide, c'est pas fou. Je mettrais d'abord emprisonnement, moi. Ouais. On va me les trois. Deux landes et Ultimate Death. Ah, dont une montagne, faut faire attention quand même. Et là, on a l'intervention des landes et Voyageur Pieux, c'est pas mal. Ouais, du coup, on n'a plus qu'une seule montagne pour notre fixing, ce qui est une chouille dommage. Ah ouais, on se fait exiler ça, quoi. Direct. Il n'y a pas de problème, on prend. Oh bah, c'est bien ça. Vagabond, c'est super bien. Enfin, c'est super bien, c'est bien en fait. Vagabond. Faveur, je peux faveur sur Vagabond pour trigger là si jamais. Est-ce que c'est bien? Parce que ce qu'on aime bien c'est pouvoir le tuer, tuer une bête, récupérer la faveur de Mogis. Ouais, je pense qu'on va s'en passer parce qu'on a poursuite implacable. Mais à terme c'est peut-être un play qu'on fera. Ouais, on aurait pu aller bourrer dans 7-0-2 aussi avec ce play là du coup. Ouais. On transformait notre Vagabond en 2-2 c'est ça? On le transforme en 3-2. Avec faveur de Mogis. Ouais. Je dirais qu'on va faire poursuite implacable, prendre un land, et s'il est noir, on pourrait peut-être faveur de Mogis. Excusez-moi pour les petits rototos. Alors là, il y a des lands verts où Typhon on va être obligé de prendre un land. Ouais, on va prendre le land, et puis Typhon, au pire, il va au cimetière, donc c'est nice. Ah, mais on en prend deux? Oh, quelle puissante carte. Mais j'avais oublié, mais c'est incroyable. À moins qu'on puisse prendre deux lands. Non, c'est... Non. Bah, ouais, c'est très bien parce que ça nous impose de curver Typhon le tour d'après. Et... Oh, mais c'est merveilleux. Et disons que c'est une bonne imposition. Pas l'attaque. Ah, c'est formidable. Ouais, d'ailleurs, je me souviens le pic sur Poursuite Implacable. J'avais le choix entre Poursuite Implacable ou Divination en noir. Et j'étais tiraillé entre les deux pics. Et c'est vraiment le chat qui m'a dit non, Poursuite Implacable, c'est bien au-dessus. Typhon, devant Précurseur, là, je pense. Non, parce que tu trigger Enchantement avec Précurseur et c'est plus mana efficient. Ça permettra le tour d'après de faire Typhon et Faveur. Ah, parce qu'il y avait la 3-3, je trouvais que c'était mieux d'avoir une 4-4, mais de toute façon elle va fly. On trouve le marais en plus, formidable. Nice. Ah, le bug, c'est bon. Ah, je crois que s'il va attaquer, c'est pas grave, hein. On aura une phase d'attaque retour plus puissante que la sienne. Ouais, de toute façon. Bah, il attaque pas dans tous les cas. Alors, petit marais. Land. Petit marais ou petit marette? Un petit marette. Qu'est-ce qu'on a au cimetière? Pas grand-chose. Je crois que tu peux Typhon, Timarette. Ouais, c'est pas mal de faire ça. Je vais d'abord Timarette. Ouais. qu'on va se meuler de 3. Non. Il y a un early pick du pack 2. On regarde les 3, on met en dessous. On va prendre un... Ouais, qu'importe, un noir. On a plus de noir dans la main. Mais... Ouais, ce sera mieux. Le typhon. Un typhon, fond. Et ben, on va pouvoir le rejouer tour prochain en 7-7. C'est pas du tout un problème. Laisse-moi te dire, Goatmoon, qu'on s'en cague. Ce sera un 7-7 piétinement pour une grâce au précurseur. Et ça, c'est vraiment bien. Ouais, du coup, on va pas aller donner notre précurseur dans ce chevaucheur de vague triton. Et on a toujours la main pleine. Enfin, on est vraiment full value là. Alors, est-ce que c'est un triton qui est chevaucheur de vagues ou est-ce que c'est un mec qui chevauche des vagues tritons? Ce sont des vagues tritons, tu vois. Ce sera des vagues tritones, du coup. Non, je pense que c'est un triton qui chevauche des vagues. Dommage. Ouais, j'avoue. C'était plus stylé dans l'autre sens. Une vague tritonne, ça avait l'air... Il y a un côté... Il y a 3 tonnes, en fait. Elle pèse très lourd. Il y a un côté pouvoir, tu vois. Rip. Oh, on va pouvoir faveur de Mogis sur cette Klothys. Ah non, on ne peut pas la fixer encore. Merde. Augure de mort, tu veux dire. Augure de mort, ouais, je dis n'importe quoi. Mais on pourra la récupérer, ouais. En tous les cas, là, c'est un énorme typhon. Ah. Oh lolo. Bah là, c'est Augure de mort, du coup. Ah ouais, c'est Augure de mort, ouais. Tout de suite. Tout de suite. Je pense qu'il n'y a pas Spellpierce dans le format. Oh, on trigger et tout. Oh là là. Allez, on reprend ça. Est-ce que vous avez déjà vu autant de belles magies? Oh là. Mais le deck, il est instoppable. Par contre, on a déjà 10 cartes de moins que lui. Hein. Faut faire gaffe. Ouais, il va falloir tuer, faire vite. Il va falloir faire vite pour tuer, pardon. Il faut faire vite, il faut faire vex. Je crois que je vais refuser, en fait. Tu refuses de prendre le land, là? Ouais, on a déjà plein de lands. Ok, refuse. Je crois que j'ai vu qu'il a ça qui me le 2 en fait. Chaque fois que je suis une constellation. Vas-y. Ouais. Lampade du coup. Lampade. Le louche, lampade louche. On va même pouvoir attaquer. Oh, le vagabond qui trigger à chaque fois quoi. Mais vagabond c'est trop pété comme carte. Hein. Les gens estiment assez bas la carte je pense. Enfin trop bas en fait pour ce qu'elle fait. Ah je trouve ça trop fort. Ouais. Bah complètement. Moins 4.0 regarde 2, ok. C'est pas grave, on veut juste avoir le piétinement à terme. De toute façon, c'est juste en instant là. Double bloc, ouais, bah ça fait rien. Certes. Ah, mais t'avais attaqué avec. Ouais, il pouvait pas. Oui, il avait attaqué avec sa 3-3, pardon, j'ai dit les bêtises. Ok. Donc là, faut espérer juste qu'il nous meule pas trop. Ouais, effectivement. Après, on a de la gestion aussi, on peut trouver nos gestions pour ce sage des mystères, quoi, à un moment donné. Effectivement. Puis sa main s'épuise alors que la note ne fait que grossir. Donc, ah, Enjamber. On va lui exiler une créature. Hop là. Ouais. 1 de vie 2. Et on va faire un gros typhon qui va inheb le Klothys en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que non, on est un mana short. 1, 2, c'est-à-dire on a un mana short. 1, 2, 3, 6. Non, c'est bon. Non, ah, 7. Il faut qu'elle ait 7, pardon, j'ai dit bêtise. Eh oui. Est-ce que je veux ça? Non. Oui. Faveur de Mogis. Est-ce que ça te permet d'avoir un trade favorable sur un bloc pour ton précurseur? Pas trop. Timaret, ça le fait passer 4-4. Mais il y a une 2-5, donc on s'en fout. Non, bah ok. Non, fin de tour, juste. Tu pourrais commencer à sac des cartes avec la lampade, non, on verra ça plus tard. Oh, j'ai pas trop d'intérêt à le faire. Vaut mieux garder pour tuer mon adversaire. C'est ça. Ça continue à nous meuler par contre. C'est vrai que ça peut être très relou ce sage des mystères. Ouais. Est-ce qu'on a... Ouais, il y a 2 anti-bêtes qui sont là. Donc, pour gérer ce sage des mystères, c'est un peu chiant. Ah, bonne carte ça. Catoblépas, c'est pas mal. On va lui exiler ça. Ouais, on enlève intervention d'Eliott parce que la carte fait quand même un peu peur. On va enlever. On va jouer Catoblépas là. Alors, ouais. 1, 2, 3, 4, 3. 5, 6. Donc on peut tout tuer. Enfin, on peut tuer n'importe quoi. C'est complètement vénère cette carte. Hein. Qu'est-ce qu'on tue? La 2-5 ou la 3-3? C'est laquelle qui nous empêche d'attaquer favorablement là? Bah, la 2-5 est chiante là, je dirais. Après, la 3-3, c'est la seule qui trade favorablement, enfin qui trade précurseur. Moi, je dirais 3-3 ou 2-5. La 2-5, on peut attaquer avec la 7-7 de manière vraiment safe en fait. Enfin, il est obligé de donner beaucoup de boards, c'est ça que je veux dire. Ouais, je pense. Est-ce que le plan de jeu, là, c'est pas juste attaquer avec Précurseur et avec Typhon à tous les tours, et s'il donne tout son board, bah tant mieux, quoi. Bah, Précurseur, je pense pas. Je pense que tu veux garder... Ouais, vas-y, Enjambeur, ici. Enjamber. Et là, on va pouvoir commencer à sacrifier des trucs en plus. Yep. Ok, vas-y, go. D'ailleurs, on peut le rejouer en plus, ce Typhon, donc... On a cette carte au cimetière, ouais. Bah, il prend 7. De toute façon, ça piétine, donc bon. Ouais, fin de tour, on va pouvoir faire Enjambeur sur notre chèvre. Mmh. Bah, en vrai, je sais pas si j'ai envie de scry 1 ou si j'ai pas plutôt envie de faire un drain de vie 1 avec cette chèvre. Oui, c'est acceptable aussi, ouais. Bah, d'ailleurs, là, tu peux sacrifier tout ton board et avoir l'étal, je crois. Ah, bah ouais, parce que là, je sacrifie 1, 2, 3, 4, 5, ouais. 6, 7 et Klothys, ouais, on avait l'étal. Franchement, la value du truc est vénère. Instoppable. Hein. Instoppable, bordel. Ouais. Out to 7-0, ouais. Peut-être. En tout cas, je sais pas si on fera 7-0 parce qu'il peut se passer plein de trucs, mais on a tendance à dire d'un bon deck que c'est un deck de 7-0, tu vois. Ouais, effectivement. Enfin, c'est un deck de 7 victoires. Tu peux avoir un deck de 7-0 et faire 0-2, hein. C'est des choses qui arrivent, quoi. Combien de fois j'ai eu des bons decks qui ont fait 2-3? Ouais, voilà, c'est fort probable. Mais celui-là, quand même, en fait, vu qu'il se fixe, tu peux pas faire trop de mauvaises sorties, tu vois. Donc, tu crains quand même moins le 0-3 que sur d'autres decks de 7-0 qui sont quand même dépendants de curvée, quoi. Yep. Là, tu t'en fous un petit peu de ta curve, pour le coup. Si la mèche de votre compte arbre se consume entièrement, vous utiliserez automatiquement l'une de vos prolongations de 30 secondes, si vous en avez. C'est bien gentil. Merci, Arena, de nous rappeler les généreux cadeaux de temps que vous nous faites. On appelle ça un sablier, alors qu'en fait, ça s'appelle une prolongation. Ouais, mais ça ressemble à un sablier. Oui. Oh là là. C'est bien ça. Quoique. C'est keep. Instant keep. C'est un peu lent, mais bon. On a nos couleurs, on va pas cracher dessus. Ça va aller, quoi. Tu fais tour 2, emprisonnement des titans. Ça ira. Gardez cette carte. Ouais, je pense qu'on s'en remettra au pire. Puis t'as tes couleurs, quoi. C'est important. C'est vraiment beau, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit côté 3D. Ouais, je les trouve assez jolis. Ouais. Il y a des gens qui les trouvent pas si beaux et tant pis pour eux. Despacito. Despacito. Je sais pas ce qu'il y a avec les trous là. On voit qu'il y a des courbes partout, des trous. Oui, quoi. Il y a des. Comment ils s'appellent les gros vers géants qui apparaissent à la fin du Hobbit? Les gros vers géants qui apparaissent à la fin du Hobbit. Ouais, c'est vrai qu'ils s'appellent comme ça probablement. Mais Gandalf dit attention, des gros vers géants qui apparaissent à la fin du Hobbit. Ouais. Et les gros vers géants apparaissent, font des trous et s'en vont, alors qu'ils pourraient juste décimer les armées. Mais c'est trop facile, ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on va perdre cet emprisonnement? Ouais, je pense. Ou peut-être le Berserker sacrifié? Berserker. Ouais, c'est quand même tellement late, Berserker. Ça me paraîtrait fou d'enlever ça, mais... Ah bah, la mort au 2. What? Attends, pardon. Pourquoi pas? Plaît-il? Pourquoi il a enlevé ça? Pourquoi il enlèverait autre chose? Je sais pas, parce que c'était genre la moins bonne carte qu'on avait en main, peut-être. Sachant qu'on peut juste l'augure des morts, ça n'a aucun sens, gros. Non, non, c'est exilé, on peut pas augure des morts. Ouais, ok, mais ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Ah, ça a plus de sens, là, du coup. Bah, il fallait nous enlever Binding, en fait. Quoi? Aspect à l'emploi. Mais on n'a pas de bête. Là, on peut exiler deux trucs, c'est ça? Et gagner des pèves. Donc, on va aller exiler Engeance et Affre. Est-ce qu'on peut discuter de ce que fait notre adversaire? Je ne sais pas, Val. Je pense qu'il a plein d'affres du remords et qu'il veut juste tout nous enlever. Bah ouais, mais du coup, il aurait dû enlever commencer par les cartes qu'on avait à jouer, alors. C'est pas faux. On prend Klothys et Irlande, là? Bah ouais. Et on reprendra Catoblépas à la main. Mais gros, il est juste dead, en fait. Comme disait Anakin, je ne sais pas. Mais de toute façon, Catoblépas, tu le reprends même pas à la main, tu le reprends avec emprisonnement, là. Non, on va prendre Renata, c'est encore plus worse, ouais, non mais... C'était genre notre meilleure sortie face à lui. Il a décidé de prendre toutes les mauvaises cartes. En fait, il a fait un slalom, mais un slalom, sauf qu'au lieu de passer entre les portes, il esquivait les portes. Je crois qu'il a fait un slalom, il n'était pas sur la bonne piste. Il arrive à la fin, il se dit yes, et on lui dit non, non, c'était là-bas. Il lui fait merde, et du coup, il alors que nous, de notre côté, on est en mode insane value. Ah bah, en fait, il nous a enlevé des cartes, mais on s'en foutait. On a juste joué les cartes qu'on voulait jouer autour. Donc... Ouais, je sais pas. Compris, mais je pense qu'il s'en est rendu compte. Ou alors c'était son petit frère qui avait la souris. Il est arrivé, il a vu, et il a dit oh, quitte ça, t'as fait de la merde. Vas-y, joue. Il fait une partie, il fait allez, c'est bon. Tu joues plus. T'es puni. Oh mon dieu, j'ai pas compris du tout. En parlant de petit frère, ça me fait penser. On peut nommer ses worms dans le jeu Worms. Et du coup, il y a un worms qui s'appelle Val, forcément. Et il y en a un, hommage à mon ancien voisin, qui s'appelle Jérémy. Jérémy. Celui qui s'étouffe avec des vis. Celui qui adore manger des vis, ouais. Eh ouais, incroyable. Et à qui son père a mis un coup de porte un jour. C'est ce qu'on appelle les accidents ménagers, tu vois. C'est des trucs accidentels, sauf que là, c'était prémédité par le père. Exactement. Ah, il y a ta webcam qui bug. Je suis là. Ah, c'est bon, ça l'a plus. On va garder. Bah, de toute façon, quand on fait tour 3 Klothys, est-ce qu'on peut jeter? Je ne crois pas. Non. Oh, tour de vagabond qui trie. Je crois qu'on va faire 7-0 dans 7 vidéos, gros. On va faire 7 vidéos, le chiffre. Et à chaque fois, on va faire 7-0. Ouais, on va enlever Catoblépas. Ouais, ça dégage. Trop lent. Ouais. Est-ce que t'as souvenir d'avoir drafté un deck Theros aussi vénère que celui-là? Mais c'est les landes qui font tout, gros. Là, les landes, vraiment, c'est fou, quoi, ce qui se passe. Curvé comme jamais. Tout donné, quoi. Curvé comme jamais. Ouais, par contre, les landes, ils sont beaux, mais j'ai pas envie d'en voir 1000 non plus, quoi. Non, mais là on curve ça dans Vagabond. Oui, ça va le faire en vrai. Ouais. Après, là on n'a rien à exiler du cimetière. Ah si, on a Croxa. Énorme. Le mec il fait tour de Croxa. Tu pourrais te dire, oh le mec est trop fort. Nous on s'en fout, on fait Klothys en réponse. On s'en fout grave. Et on va lui prendre, on va faire RSP de l'enfroid, trigger. Allez, ça dégage. Il est là. Il était fausse de cartes. Ah, pas de land. On aurait bien aimé piocher ça. Bah, c'est normal, en fait, on fait que les piocher à la main, donc... Ouais. Ah, j'avoue, on avait une main à 3 landes, on a pioché beaucoup. Faut faire gaffe, parce que on n'a pas le board, là, à cause de nos conneries à piocher 1000 landes, quoi. On n'a pas le board, non. T'aurais pu attaquer, ouais. Je viens de capter. C'est pas vraiment incroyable, mais c'était possible, en tout cas. Ouais. En fait, si je gagne un PEV, en réponse, il va m'attaquer et en perdre un PEV, donc... Ouais, mais du coup, leur engager sa bête, il aurait pas pu looter. Il n'y a pas besoin d'engager. Ah, ok, bon, bah on a à peu près rien gagné alors dans ce cas-là. Du coup, le tenir en respect, c'est aussi bien qu'attaquer. Ouais. Attaquer. Ah, une créature qui est enchantée. Ça L'aura a l'air chiante, non? Ah ouais, bah, la créature, je me suis dit qu'il pouvait la reprendre. Ouais. Alors que l'aura, c'est plus dur. Peut-être. Je sais pas si tu peux reprendre des auras dans le format Theros. Vas-y, Renata, c'est vénère. Tu peux reprendre des auras, mais en Rakdos, je crois pas. Alors que tu peux reprendre des bêtes. Ouais, Renata, ça bloque bien, ça trigger. Mais il est incroyable ce pack Val en fait. Il est artistique. Le mec, il draft jamais. Il fait un draft, c'est la Vénus de Milo, et ensuite, il fera plus jamais de draft. Mais c'est exactement ce que je me suis dit. Je pense que c'est le jeu qui me récompense en mode ah, vas-y, viens là, toi, tu vas voir, tu vas rester. Tu sais, c'est un peu genre. Comme sur Uber Eats, quand tu commandes pas pendant longtemps, il t'envoie des coupons de réduction. Est-ce que je bloque ou pas là? Non, je pense pas. Hein. Elle m'emmerde un peu ça truc. Que 2 par tour, non? Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est le mec qui joue jamais au loto. Ouais, et il joue une fois, il gagne. Et il joue une fois, il gagne, ouais, et son pote qui joue tout le temps au loto le regarde et se dit putain quoi. Ah ouais, non mais le deck est ouf, hein, vraiment. Par contre, j'ai pris pire que. Enfin, j'ai déjà joué contre un mec qui est pire que toi parce qu'il m'a curvé Calix. Tour 3 en accélérant avec Avro du Sol Loup into Klothys. Ouais, c'est pas mal. Ah, lui, aussi, il était très fort. Je sais pas si tu vois la synergie. J'exile tes trucs. Klothys est indestructible donc tu peux pas le gérer. Donc je t'exile gratuitement avec la liste, tu vois. Ah, j'avoue, c'est vraiment très nice. Ah, ben j'ai vraiment perdu cette game. Je vais tuer le Chevaucheur du coup. Ouais. Hop là, ça dégage. Il peut pas bloquer seul. Comment c'est quoi exactement le. Oh là là, insane value. Insane value. Si on attaque avec 2 bêtes, il peut pas bloquer avec le cyclope. Et du coup, donc, on va attaquer avec 2 bêtes. J'ai envie d'attaquer avec 2 bêtes, du coup, ouais. Ouais. Ne pas bloquer pendant ce combat. Voilà, on gagne le petit PEV. Que peut-il faire? Que peut-il faire? Je vois pas ce qu'il peut nous battre avec un draft comme ça. Croxa aurait pu nous battre. ouais, c'est vrai. Marche en gris, dommage. Ah, mais il y a un bloqueur, du coup. Ouais. Par contre, c'est affolant le nombre de landes qu'on pioche. Ah, j'aurais dû enlever ça, merde. J'ai mis ce clic. Ouais. J'ai mis ce clic. Ouais, on pioche que des landes par contre. Ouais, on peut perdre en fait si on pioche 12 landes hein, après. Ah, j'attaque avec ça. Non, j'attaque pas. J'attaque avec ça. Attends, parce qu'en contre-attaque, on prend combien là? Je vais garder ça pour bloquer le marchand. Et pour gagner un PV ou que ça. Mais là, je peux attaquer. 5. Ah ouais, et ça fait quoi là son truc escape? Ça donne plus 0 célérité, mais il faut 2 autres cartes donc il peut pas en vrai. Ouais, ouais ça va, ok, ça marche. Bah là en gros, je propose l'étal tour prochain avec Klothys plus Renata. Ouais, ça va. Ouais, deal on a quand même. Il peut pas faire nimp. Après on a bottom avec Vagabond, des cartes actives malheureusement. Donc on a combien de landes là sur le board? On a 7, on est à 10 landes, on peut arrêter d'en piocher. Hein. On peut arrêter d'en piocher, ouais. Normalement, il nous tue pas, là. Non, si ce serait étonnant. Si il trouve 12 points ici, je crois qu'il faut qu'il ait Humbercleave. Je t'offre un chapeau, Val, s'il nous tue là, et tu manges le chapeau. Ah, ok, ça. Alors, tu achètes le chapeau, tu me l'offres, tu me le piques et tu le manges. Ouais. Non, tu manges le chapeau. Je t'offre un chapeau et tu le manges. Ah oui, ok, d'accord. Je mange le chapeau alors. Vendu. Quelle sauce le chapeau? Bah écoute, 4 points mec. Hein. Pas de bloc. Non, il n'y a pas 8 points dans le format mec. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Je pense qu'il a rien. Renata tour 4, on n'a pas posé une bête sur le board pour qu'elle proc. Putain de merde, qu'est-ce que c'est que cette connerie quoi? Ah, c'est pas possible. Oh là là, le jeu se rend compte qu'on a un draft pété, il veut pas qu'on gagne, c'est nul. Et là, si j'attaque avec Renata, il va double bloquer et je vais en tuer qu'un. Ah ouais, c'est naze, on peut pas. Donc je vais forer, je vais lui montrer quand même hein, qu'on a que des landes. Lui, fin de tour, il va looter. Putain, gros, on va perdre cette game parce que le jeu nous chie dessus, quoi. Bah non, parce que dès qu'il défausse, il prend 2. Ouais, mais bon, c'est pour ça que ce deck fera pas 7-0, mais 7-1, ah tu vois. C'est parce qu'il faut qu'on se fasse carme. On va exiler les trucs de notre cimetière et lui mettre 2. Ouais. Ouais, ouais mais j'ai quand même le droit de râler, tu vois. Ouais, tu peux râler un peu, c'est vrai. Mais bon, on gagne avec 3 cartes, donc... In fine, c'est pas mal. Ouais, j'avoue. Ouais, là, en fait, il faut qu'il nous tue dans 2 tours, et ça va être compliqué, je pense, pour lui. Ouais. Et il a pas looté fin de tour, ça veut dire qu'il veut garder sa carte. Klothys, c'est rigolo, parce que ça dit quand même... t'as vu la mécanique forte de Theros? Bah toi, tu joues pas avec. Eh ben, je l'emmerde, voilà, la mécanique. C'est exactement ce qu'a dit Klothys. Magnifique dessin de Maggie Villeneuve. Ouais, très très joli. Klothys. D'ailleurs, qui est beaucoup moins, pour une déesse, du coup, pour un dieu. Qui est beaucoup moins Constellation que les autres, je trouve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire d'habitude, ils sont à moitié Constellation, alors que là, elle a l'air beaucoup plus tangible. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Bah, je vais exiler ça, du coup. Yes. Et poursuite implacable sur Catoblépas. Ah non, ça reprend pas du cimetière, j'ai des conneries. Bah, sur une créature, ce sera bien. Ouais, on va juste meuler. Bah là, déjà, c'est une carte active, donc ça fait plaisir. Grave. T'as aucune carte rouge à part Klothys? Non. Donc on va payer ouais, avec le mana rouge. Si on a Lampade, on a gagné. Lampade. Ça peut faire le taf. Bah, enjambeur et forêt. Enjambeur, forêt, ouais. Ah non, attends. Ouais. Ah, j'ai dit une bêtise parce qu'en fait on aurait pu prendre l'autre bête et faire revenir enjambeur par... la mécanique? Ouais, non mais là on veut se créer, je pense. La mécanique escape, quoi. Ouais, c'est pas horrible hein, dans tous les cas. Ça paye mal, hein. Ouais, est-ce qu'on peut vraiment mal payer? Est-ce qu'on peut vraiment perdre cette game? Dans la situation, non, mais on aurait pu le faire croire que... Donc là, il faut qu'il nous tue ce tour-ci. Ouais. Mais il n'y a pas d'effet de reach, il n'y a pas d'Humbercleave dans le format, donc j'ai pas trop peur. Putain, c'est vrai que tu pouvais drafter Humbercleave hein, dans... Bah, dans Eldraine, ouais, tu peux faire Oops, I win ou piquer des wins de nulle part. Là c'est... Oh, même la chèvre est 1-2, c'est formidable. Incroyable. Mais, formidable. Je le rappelle. Et Mélian Dragon finalement. On peut plus l'acheter. Ouais. Bah, tout le monde l'a détesté et même moi je commence à bien l'aimer. Et les gens s'y habituent. Mais tu sais quoi, ça fait un moment que tu me dis que tu commences à bien l'aimer, donc ça veut dire que ça prend du temps de l'aimer. Oui, 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 c'est vrai. Il défausse une card. Bah, en fait, comme il me rappelle un peu King K. Rool, enfin le fils indigne de King K. Rool, ça me plaît, tu vois. Ou de Corvold. Ouais, mais Corvold, c'est King K. Rool qui a juste fait du sport. Donc, alors que pourtant, il a mangé tout un mariage. Et je ne parle pas du buffet. Enfin. Oh putain, attention. Il veut faire un truc. Il veut tenter une action, là. Ouais. Je dis oui. Ça nous tue pas, mais ça fait partie des trucs qui auraient pu nous mettre mal, tu vois. Là, il peut sacrifier son board pour nous tuer. Pas du tout. Ah, bah là, c'est le barreau d'honneur. Ouais. Oh, le mec donne tout, quoi. Eh bah écoute, je te laisse faire les blocs que tu désires. Ils sont bien, ces blocs. C'est bien, hein. Ouais. Ah, il va sacrifier tout son board. C'est rigolo, Jupton. Hein. Allez, on perd du temps. Perdons du temps, c'est important. Ouais. C'est vrai, il va vraiment scry chacune de ses cartes. C'est bien. Imaginez si c'était enregistré. Comment? Imaginez si c'était enregistré. Ah. Oh. Jupton. Faites pas comme Jupton chez vous quand vous avez perdu. Il a deux sabliers en plus. Il la garde au-dessus. Ah, ça veut dire que c'est une bonne carte. On va dire non, bien mais... joué pour l'énerver. Ouais, mec, s'il te plaît, fais un truc. C'est juste assez désagréable de se comporter comme ça. Enfin... C'est pas sport, quoi. Ah, ça, c'est le truc pour voyager, je connais. C'est le truc pour voyager, ouais. Ça prend environ 2 semaines à faire. Ah, c'est tout? Ouais, bah là, actuellement, ça prend peut-être 3 jours, si tu veux en faire un. Bah, 3 jours et en même temps 2 mois, puisque les gens qui les font ne travaillent plus, je pense. Ouais. Oh, j'aurais dû exiler un truc de terrain. Je lui donnais un tour de plus. Non, on va quand même pas lui donner un tour de plus, non. On sait jamais. S'il a caché une Humbercliff dans sa manche, ça fait peur quand même. Bah, c'est pas légal, ça. Non, tu vas passer argent. T'étais bronze 4? Ouais. Ah, tu vas passer argent et quelques. Parce que là, tu peux encore gagner 6 et t'es bronze. Donc tu pourras passer que. On en fait une dernière? La game de trop? Oh, mais moi je suis chaud de finir même le draft. Hein. Ah, on va au bout? Ah, bah vas-y, là-dessus. Bah, franchement, vu ce pack, je crois qu'on peut aller au bout, ouais. C'est fort probable qu'on propose un petit 7-0. Si tu veux, on s'arrête à la prochaine défaite. Ouais, dès qu'on fait une défaite, on s'arrête. Ça me va. Oh, comme ça, il y a du frisson, tu vois. En tout cas, ah, c'est cool. Cool. Donc, vous là, voyez. Le timer. Oh là là. Mais on va laisser. Ça, dans 3 minutes. Ah ouais, on dit ça en mode waouh, instoppable. Bah, juste après, c'est la fin de cette vidéo. Mais non, on plaisante, Dolores, on le sait bien. Tu vas pouvoir aller fetcher un rouge et commencer à faire nimp. J'adore. Hop là, parfait. Ouais. Un rouge ou pas? Ouais, toujours, je pense. Parce que là, on n'a pas le deuxième vert pour Typhon pour l'instant. Mais on va le trouver avec poursuite, le deuxième vert. Enfin, je pense, hein. Et il faut le trouver, hein, sinon on fait ni Typhon ni Renata. Mais au pire, ouais, mais au pire on fait Maraudeur. Ouais, on va trouver un vert d'ici là, sûr. Mais je pense qu'il faut vraiment fetcher rouge. Ok. Bon, tu peux marrer par contre, je pense. Bon, ah, tu veux pas lui montrer qu'on joue noir? Ouais, pour l'instant, non. Ok. Ça sert à rien parce que dans tous les cas, je vais rien jouer de noir. Enfin, qui coûte 2 noirs normalement avant le tour 4. Ça marche. Sauf si je pioche Team Arrête, ouais, mais non, je préférais faire ça. Lui, il peut nous battre, tu vois. Ah bah lui, il fait des trucs vénères, là, ouais. Ouais. Mana noire. Poursuite. Ah, Landver, Vagabond, formidable. C'est trop fort. Faussé, on a trop de cartes en main. Complètement buggé. Maraudeur, c'est la moins bonne carte, là. C'est fort probable. De toute façon, on a Augure de la Mort, donc qu'importe ce que tu défausseras. Ouais. Enfin, c'est une bonne carte avec Catoblépas, remarque. Oh. Sans cague-t-on pas. Ouais, ça commence à faire peur, hein, moi, je trouve. Il pourrait nous prendre de vitesse, le coquelicot, là. On est obligé de Typhon, là, pour bloquer. Ouais, mais on match toujours pas Anax. Ah bah si, on trade. Oui, mais c'est chiant. Ouais, bah sinon, on peut bloquer le garde, mais il va trade aussi. Ouais. Il peut mettre pas mal de points avec ce garde, non? C'est plus 1-1 pour 1, c'est ça? Ouais. Donc on va plutôt trade le... Ou quoi que, faut pas lui faire trop de tokens, donc... tuer le Anax, c'est bien. Ouais, je pense aussi. prochain, on pourra faire Vagabond, Augure, récupérer Cochon. Oh, on peut récupérer Cochon pour avoir Catoblépas plus puissant. On aura un Catoblépas qui fait -5/-5 avec Cochon. Pas Cochon, je l'appelle Cochon, mais c'est un Minotaure. Ouais, ah, vaut mieux le laisser au cimetière en plus qu'ils font. Alors là, on va trade. Ouais. On peut juste prendre 7 et bloquer ça, mais je crois que c'est pas ouf. Non, mais on prend pas 7 en plus, il peut buff son... Ah ouais, on prend plus, ouais. Il peut avoir des tricks. Défoncé sur tricks par contre. Ouais. Il a tout. Oh, on fait une sortie un peu molle et lui il nous met une pression incroyable. Alors je peux Renata sinon. Attends, tu peux Vagabond Renata ou pas? Ah non. Non. On peut Renata Augure des Morts? Ouais, j'ai assez de land donc Vagabond c'est pas ouf. Je pense que Renata Augure c'est mieux. Ouais, vas-y, ça me va. Renata. Qui va-tu me bloquer une bête? Augure. Il a des éphémères. Ah non, il a peut-être juste l'Oréade. On va reprendre cette maraudeuse puisque on peut réanimer le typhon naturellement. Là, il faut qu'on survive parce que tour prochain, on va pouvoir faire Catoblépas qui prend un trade, enfin qui trade le Anax. Ouais. Et qui est un bloqueur. Into Typhon 7-7 qui devrait normalement suffire. Aïe 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 aïe. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est à 1. Ouais, il a une sortie lui contre nous quand même. Par contre, ouais, c'est trop vénère. Là, on est à 2. Il pumpe pas. Il a un truc à faire. Oh, sinon, il a juste mal joué. Il a juste mal joué. À moins qu'il ait un. Non, il a rien à reprendre. Forêt. On peut mettre double bloqueur sinon ici. Catoblépas ça suffit pas, on est d'accord. Catoblépas ça suffit pas parce qu'on va tuer ça. Il aura un repop. On va bloquer la 3-4 et on prend 2. Ouais. Il faut double bloquer, ouais, du coup. Ouais. Donc, il faut double bloquer. Il va nous exiler cimetière. Ah non, il va nous enlever une carte non créature non terrain de la main. Donc rien. Ça ira. Il faut pas qu'il ait tricks ou autre. Ah, dommage, c'était que des bonnes cartes là. Si ça on... les a mis bottom, c'est ça ou ça remélange? Ça met aléatoirement bottom. Ok, c'est un peu chiant. Il va juste regarder notre main, il a connaissance du Catoblépas. Il ne peut rien enlever. Aïe 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 aïe, là la pression du joueur. T'as un axe comme quoi ça met la pression partout. Hein. Ouais, un axe sur le play c'est quand même dur à matcher. Hein. Après, on a Final Death, on a quand même pas mal d'interactions qui sont pas venues. Eh ben, on est mort. Il avait une bête célérité. C'est célérité, ça? Ouais. Ok. Écoute, je te propose d'aller à 2 défaites. Allez, vendu. Oh, les viewers sont trixés, là. Quoi. Ah ouais, on était trop confiants, tu vois. On s'est fait rabattre le caquet. Ah, le mec, bon, après, il nous a rabattu, quoi. Pour le coup, il avait tout, lui. Alors que nous, on n'a pas eu tout, quoi. C'est vrai. Est-ce que Klothys nous mettait bien? Ouais, Klothys nous faisait gagner pas mal de points de vie. Ouais, tu gagnes de PEV. Non, mais juste trouver des interactions, genre Mayor's Grasp ou Final Death, ou juste des créatures à jouer, quoi. Ouais. On va le régler, là, le prochain. Oui, il va prendre pour celui-là. Il y a toujours un mec sur chacune de nos vidéos qui vient et qui nous fesse. Et nous, on prend le mec d'après qui a rien demandé et on le fesse sans réponse. On le fesse double. Comme voilà. Le passe au double, un peu. Cryptique 210, c'est la fessée pour toi. Voilà. Ça, bien. Quand je vois ses mains, j'ai presque l'impression de jouer standard, gros. Le mec triche. Oh là là, le deuxième arrêt pour pouvoir jouer ça. Mais c'est formidable, c'est formidable. C'est formidable. Formidable. Ouais, c'est tellement mignon à côté de ce qu'on va faire, Cryptique, ton Alcéide. C'est tellement méchant ce qu'on va faire, non? Ouais. Par contre, s'il reste 3 mana up et qu'il fait rien, je pense qu'on descend pas Clotilde. Ouais. Je pense qu'on descend Timaré. Effectivement. Timaré le Timoré. Oh, il n'y a que des enchantes en plus, c'est formidable. Al-Saïd. Ah, c'est bon, il n'y a pas de contrat de mana dans le format. Il y a Negate en Theros? Non, il n'y a pas Negate. Non, il n'y a pas Negate. Oh, je crois qu'on l'a bon. Il y a un petit temple, hein. Il est pimp. Easy. Montagne. Klothys. Il a peut-être évoqué l'existence. C'est quoi? Pour deux, t'exiles un artefact enchantement. Ah oui, oui, mais ça c'est pas grave ça. On trouve la deuxième montagne. C'est pas prendre un contre quoi. J'attaque pas parce que on perd juste un point de vie si j'attaque. La tortue. Ouf, rien à foutre. Ah bah, en plus on nous, notre plan de jeu c'est pas trop d'aller mettre la pression. Hein. Non. C'est tranquille. Après la Klothys fait rien, mais c'est pas grave. Toi s'il joue un spell. On a emprisonnement des titans pour qu'elle fasse quelque chose dès le tour d'après. Ouais. Ok. Moi je te propose titan et timarette, tu l'emmes noir. Ouais, c'est bon, très bien. Insane value. Oh, les bonnes cartes. Ouais. Oh là là. Mais il y a trop de value dans ce deck, Val. Comment faire? Bah, pas se faire agresser par Anax, ça a l'air d'être une bonne idée déjà. Ah, le Anax 7-5 au tour 4, on l'a pas aimé du tout. Un punto. Ouais, ça c'est juste qui nous a fait gagner qu'un PEV au lieu de 2 quoi. On va exiler ça. Ouais. Confirm. Ah non, merde, c'était l'autre trigger. Ah, j'aurais pu exiler 2. Et là, du coup, j'ai ciblé quoi? J'ai ciblé la chimère, ouais. J'ai ciblé le. Ouais, c'est ça. Exiler. Ça. Ça ouais, je pense que c'est plus très important à ce stade-là de la game. J'ai dû lui exiler les deux. Maraudeur. Si on trouve faveur de Mogis, d'ailleurs, on sera pas trop mal. Maraudeur ou je peux land et garder ultime mort? Non, Maraudeur, c'est bien. Ouais, je pense Maraudeur, c'est pas mal. On va encore prendre un petit land. D'ailleurs, t'as exilé une bête de chez nous ou pas? Non. Ah, ok, d'accord. Ouais, au hasard. Et j'ai pas de bête à reprendre par contre. Ouais, on a rien à reprendre sur emprisonnement des titans. C'est un peu dommage. Peut-être que c'est ce qui manque une chouille à ce deck là pour qu'il soit exactement parfait. Une chouille plus de bêtes, même s'il y en a quand même pas mal. Hein, mais... Ouais. C'est vrai que 14 bêtes, ça peut être un peu ledge. Bah, on l'a vu qu'on s'est fait agresser là. C'était un peu dur. Que 0 bête et on exile ça. Pan. Ouais, après nous on a plein de cartes en main, lui il en a 0. Ouais, on va mettre ça. Ouais, il en a pas 0 mais il en a peu. Si on attaque avec Maraudeur, on lui fait croire à faveur Mogis, mais je sais pas si c'est important. Ah, il va juste bloquer la tortue et il se passera rien. Ouais, mais si on a faveur Mogis, il perd sa tortue. Ouais, on va tenter du coup. Je crois que s'il développe rien tour prochain, on va ultimement la tortue pour commencer à attaquer. Pour mettre des points? Ouais. Pourquoi on est bas en termes de meule? Non, mais juste pour accélérer, parce que ça voudra dire qu'il fait rien pendant plusieurs tours. Tu vois, là, depuis l'héroïne, il a rien fait. Si jamais il refait rien encore. Ok. Ou alors, on peut considérer qu'on va le tuer avec Klothys. Ouais, parce que c'est une bonne cible. Voilà. C'est une bonne cible, ça, je sais pas ce que ça fait. Quand il arrive en jeu, tu reprends un enchantement au-dessus de ta bibliothèque. Ouais, c'est effectivement fort, ouais. Enfin, une bonne cible, une bonne carte, pardon. Parce que là, l'effet est déjà fait. Après, il pourra pas trop gérer... Enfin, il pourra gérer maraudeuse, quoi. Après, le but de fetcher toutes les landes avec Vagabond Messian, c'est d'arrêter d'en piocher. Et je sais pas pourquoi on a une proportion à piocher tous les landes sur le dessus de notre pack. C'est assez insane. Est-ce que je vais exiler ce compteur? Il est 3-4. Il nous met... Il peut nous mettre la pression parce qu'il a envie d'attaquer avec, je pense. Hein. Ouais, j'ai envie d'exiler, là. Il va protéger Calcéide. Ah non. Ah bah ok. Oh nice ça. Là je vais exiler quoi? Emprisonnement, ouais, des titans. On récupérera pas. Aspect talent 3. Là ça nous permet d'attaquer avec cet aspect. Ouais. Maraudeuse. Il va perdre sa dernière carte, si c'est un land tant mieux. Il pourrait donner la protection à notre maraudeur pour qu'on... C'est qu'à ce qu'il contrôle. Ah d'accord, il peut pas le faire sur... Ok. Oui, il a regardé. Marée. Ah franchement, on a quand même des bêtes. Hein. On a les précurseurs, on a le 5-4 qui donne... Il avait un land. Bah, je sais pas pourquoi il a pas sacrifié pour protéger sa 3-4. Mais vas-y, sauce. Hein. Que des landes en main quand même. Bon, je peux même attaquer avec ça. Hein. Ouais. Quoique non, parce que du coup il peut attaquer lui avec ça. Et ça sert à rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On devrait arrêter de piocher des landes. Ça fait déjà 3-4 tours qu'on devrait plus piocher de landes statistiquement. Ouais. Mais écoute, le jeu veut nous mettre des bâtons dans les roues parce que le draft est trop fort, je pense. Il nous gère avec apathie. Ouais, ça c'est pas bien grave. Hein. Ok. Ouais, voilà, je vais... ça va nous prendre de très bonnes bêtes. Je vais exil en prio ce qu'il a dans son cimetière. Oui, là, on n'est pas pressé. Bah, Renata marée. Ouais. Combien de cartes dans la bibliothèque? 13. Ouais, ok. Renata qui est pas mal ici. Carrément. Qui est 4-3. Trigger, là, je vais refuser maintenant. Mais il reste quand même assez de cartes dans la bibliothèque. Pas l'attaque. Puis de toute façon, si je refuse, le land va en dessous. Donc, par contre, il y a un typhon vorace qui est dans les deux dernières cartes là. C'est un peu chiant. Ouais, mais si tu fais que refuser à chaque fois, ça va le faire remonter. Ichthyormorphose. Ouais. Et il a des bons top decks, hein, notre adversaire. Ouais, il top deck que des créas. Que des anti-créas, pardon. Parfait. On va s'exiler poursuite. Enjambeur, c'est pas mal. Ouais, ça va nous permettre de scryer. D'appliquer le regard. Scry. En plus, le scry, c'est pas le surveille, donc ça va pas nous meuler, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, je reviens pas comment on fait pour piocher autant de landes. Ouais, je sais pas. Bah, tous les landes avec un œil, c'est ceux qu'on a tuto, et les autres, ceux qu'on a pioché. Ouais, et puis t'en as posé aussi qui avait pas l'œil, ouais. Bon, la chèvre, elle va dégager. Le maraudeur va dégager, certainement. On peut gérer les enchantes? Non, on peut pas. Il bluffe pas, il garde pas sa... Il garde pas sa carte en main. Fout, lui. Il s'en fout, lui. Comment? Il s'en fout, lui, carrément. Ouais, il s'en fout. Il a peut-être qu'il y aura... ce serait con de perdre sur une carte comme ça, genre Dream Trawler ou Cura, parce qu'on n'a pas réussi à... Sacrifier ça, hein. La game. Tu sacrifies Renata ici, je pense. Renata, ouais. Comme ça, si on a une augure, on a un truc à prendre. Renata, elle est... Attends, est-ce que la dévotion... Ah non, la dévotion est toujours active, donc non. La dévotion est toujours active. Ouais, donc non, la chèvre en fait, juste. T'es sûr? Parce qu'elle est bleue, là, le dessin est bleu. Ouais, ouais, mais elle compte toujours comme 2 mana. D'accord. Plus 2, plus 1, est-ce que ça fait un truc, ça? Plus 2, moins 1. Permet... Ça permet d'attaquer avec enjambeur, mais il va se faire trade par Alcéide, mais du coup on peut rejouer enjambeur en 5-4. Ouais, c'est pas mal. Ok. Je pense. Ouais, ça, tu vois la dévotion elle est à 5 là, donc ça veut dire que ça, ça compte. Tout simplement tuer l'Alcéide en fait. Ouais, vas-y. Ah oui, je peux tuer l'Alcéide et rejouer la faveur de Mogis. C'est encore mieux. C'est pas mal, vas-y, vaut me faire ça hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, t'as raison. Ouais, des fois on cherche le play compliqué alors que le play simple est bien mieux. On va donner la protect contre le noir. Du coup, là, je peux pas attaquer ce tour-ci. Non, mais tu peux faveur de Mogis sur sa 0,5, non? Bah, ça en fera une 2-4, c'est pas bien. Ah ouais, ça en fait qu'une 2-4, je croyais que ça... Non, ok, ça, je croyais que ça faisait moins 2, moins 2, mais... Non, c'est pas bien, plus 2, moins 2, pardon. Non, je pourrais faire sur l'enjambeur, par contre. Ou je peux le faire maintenant sur l'enjambeur. Ça en fait une combien? Ça en fera une 5-1. Vas-y, hein. Bah, je peux pas attaquer parce qu'il a protect, mais faut que j'ai 3 autres cartes. Bah non, mais au pire, s'il la trade. 2 autres cartes. Mais non, mais là, il la trade gratuit, il a pro noir. Ouais, ouais, autant faire de la value. Ok, ça me va. Déclinons. Refuser. À l'empate, ça nous aiderait à gagner aussi assez rapidement. Ouais. Mais je crois qu'on va juste gagner à Klothys en fait. Il y a moins de tours de Klothys que de tours de draw, donc. Ouais. Bah de toute façon on est à 30, il nous attaque avec une héroïne des vents, donc à moins qu'il ait Kiora, même avec Kiora. Ou alors Dream Trawler pour gagner cette game, ici. 1-6, et bah là c'est pile chiant, tu vois. C'est effectivement pile chiant, ouais. Scry... Non, je crois pas. Renata, non? Ah non, Renata, je te dis, ça fait qu'on peut peut-être activer Klothys. Donc plutôt maraudeuse, puisque Catoblépas est au cimetière. Ouais, enfin, faut trouver Typhon et encore une autre carte verte. Je crois qu'on aura du mal à avoir un autre permanent vert. De toute façon, maraudeuse est juste moins bien que Renata à l'heure actuelle. Donc. Ouais, mais il va te l'exiler en réponse et tu vas pas scry, du coup. Si, si, c'est un coup sacrifié, il pourra pas exiler en réponse. Ok, vas-y alors. Tu vois, on peut pas. Ouais, ouais. Ah, c'est bien ça, non? Ça te permet d'attaquer pour sûr, ouais. Ouais, je le fais sur Tortue, du coup. C'est ça. Mon tour. Je enlève ça. Pas qu'il le reprenne encore. Ah, s'il peut le reprendre avec un 3-4 s'il en a encore d'autres. Je vais faire -3/-3 sur Tortue. Ouais, sur Tortue, et on peut bourrer à l'enjambeur. Refuser. Ah, du coup, là, il est pas loin, le Typhon. Ouais, il va arriver là. Attaquer avec l'enjambeur. Il trade, ok. Nice. Et enjambeur. Enjambeur, tout de suite. Et on va enlever aspect. Laisse là, ouais. Laisse la fleur. Ah, il faut 4. Bon, bah, 4 de place, ça dégage. Bon, on devrait arriver au bout là, ça va. 4 avec une chair, ouais. Oh, elle est longue cette game. Hein. On se bat, là. On se bat en arrière-plan. Il nous a jamais mis dans le mal, quoi. On a juste peur de perdre tout seul à la meule, quoi. En fait, il avait 2000 gestions et on a juste galéré. Vaut mieux pas jouer ces tailles de long parce qu'on veut plus piocher. Mais on piochera pas, de toute façon, on va juste refuser. C'est obligatoire, ah, oui. C'est un effet. Ah non, 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 c'est un effet obligatoire. Donc, si tu veux faveur de Mogis quelque chose, tu vas piocher. Ouais, je peux attaquer avec le vagabond. Ouais. Il va bloquer l'enjambeur. Et GG. Passe à 8. Ah, du coup, là, je peux jouer l'Eidolon. Oui, juste pour mettre des points, t'as raison. Et refuser. Ah non, le Typhon était relâ. Hop là, il repart en dessous. Oh, j'avoue. Putain, on aurait dû compter le. Il est là, là. Les cartes. Ah, mais il était dans les 3 premières, donc ça se trouve, on mettait 4 tours à le piocher là. On a gagné cette game. Youpi! J'ai l'impression que cette game était gagnée depuis longtemps, mais. Ouais, c'est ça. Mais qu'on n'avait rien pour la finir. Oh, le dracon de Locke. Facile. On repart, 5-1. C'est déjà pas mal comme ça. 7-1. Ou 6-2. Ou 5-2. Ou 5-3. 5-3, ce serait triste. Hein. Mais vous le verrez pas en vidéo, parce qu'à la prochaine défaite, on a perdu. Exactement. Ouais, là, le mec méchant, ça va. On se pardonne une petite défaite comme ça. Non, je pense que 7-1, c'est bien. Là, ça prouve que voilà, il y a un axe qui peut te défoncer. Mais je trouve que les meilleurs decks, c'est pas les 7-0, c'est les 7-1. C'est ceux qui avaient juste une faiblesse, tu vois. Ça les rend plus attendrissants. C'est vrai. Ça les humanise, en fait. Exactement. Oula. Oui ou non? Moi, je garde, mais... Si on tombe sur un axe, on l'a perdu, là. Ouais, encore que non, parce qu'au moins, là, on aura des bloqueurs et des interactions. Allez, on tente. Ouais, moi je garde. Surtout qu'on a beaucoup de cartes pour creuser, fixer. On a beaucoup d'early play, donc. On peut piocher de très bonnes cartes. Ouais. Je pense qu'elle est bien, ouais. La plupart des gens sont étonnamment molasses. Ah bah superbe. Ouais. Chercher un rouge. Ouais. Je descends barré du coup. J'active. Wow, wow, petite amulette. Ouais, on n'a pas besoin de deuxième mana noir pour l'instant. On est obligé de jouer 2 mana rouges pour pas s'en mêler un. Hein. Mm. Ouais, c'est vrai que ça nous est arrivé. Trop... Ouais, ça a pas trop complexifié le draft, je trouve, d'avoir ces 2 mana. On prend un point. Ouais. Pas très grave. Il a l'air assez mou pour que Typhon tour 4 soit suffisant, quoi. Ouais, là on va jouer Vagabond Montagne. Trigger Vagabond serait plaisant ici. C'est pas très grave sinon. Ah, une 2-2 qui a le double strike en Constellation, ouais. On va jouer Typhon. On va Typhon et on Final Death ce protecteur d'Aeroas le tour d'après. D'Iroas, pardon. D'Iroas. On peut aussi précurseur bourg si jamais il est full tap, mais... Ça, ah bah là on va prendre 6. Ouais, on va effectivement Ultimate Death, monsieur. Plus que 6, je crois qu'il faut. Ah, 8, ouais, effectivement. Ah ouais, il donne à une bête, je croyais que c'était qu'à lui. Ouais. Ah, c'est vénère. 8, ouais. Pan. Ouais, c'est beaucoup trop vénère. Ça va juste dégager tout de suite, quoi. Ouais, ouais, là, il n'y a pas de sommation. Hein, c'est ça file, quoi. Allez. Ça file au coq. Ça file au coq, ouais. Et on peut proposer 4 points. Est-ce qu'il peut flash un enchantement en instant, en vert blanc? Bah, pas qu'il nous tue le typhon, normalement. Non, non, mais c'est pour attaquer avec la 1-3 aussi. Ah, bah de toute façon, je vais la garder en bloc. Hein. Ça servira à rien. Ça va. Oui, il faut qu'il double Constellation pour passer au-dessus, donc ouais, c'est pas si bien. Oh, le mec nous a mis 9 points, quoi. 8 points comme ça. Ouais, cette carte-là, elle fait trop peur, hein, la double strike Constellation. Pégase. Seyar. Bah, précurseur. Ouais. On a les piètes à ce joli monde. Ah bah rien, pour une fois. J'attaque encore, j'attaque toujours. Ouais. Paf, 4 points. Et on a un beatdown pas trop dégueu. Paf. Ouais, ça va. On devrait être meilleur que lui sur le beatdown. Comme tu dis. Paf. Et paf. Ah, ah, on est plus très bien au beatdown. Sale bête, ça. Hein. Ça, c'est vraiment une sale bête. Eh ben, c'est bien. Oh, bon, ça, c'est une bonne bête. Mais on peut pas faire team arrête et enjambeur. Oh, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Enjambeur qui va chum block avec la chèvre plus cry. Et on pourrait décider de sacrifier ce typhon vorace fin de tour pour le faire revenir 7-7. On peut pas pour l'instant, mais... On peut sacrifier tout notre board. On peut sacrifier tout notre board pour mettre un 7-7. Comme ça, s'il est anti-bet, ben vraiment, on est poubelle. On a perdu. Colosse de Nyx, c'est quand même bien de la merde, mais à chaque fois qu'on le prend, ça fait mal. Hein. Ah, mais une 6-7, c'est... Trop chiant. Ah, on est à 8 aussi. Hein. Il faut quand même prendre ça en compte. Hein. Ouais. Ouais, ça fait peur. Il peut juste nous tuer avec Pégase, en fait. Yep. Telle est la problématique. Ouais, il attaque pas avec son 6-7. C'est bien dommage. On avait une belle contre-attaque. Ouais, on a un bon bloc aussi. Voilà, comme ça il gagne des pèves, il se met hors de portée, parfait. Ça c'est pas trop grave, si on stabilise en vrai... Ça. On a rien qui gère le fly là. Non mais Mayor's Grasp, ça sera très très bien. C'est pas mauvais ça. Hein. Pff, ouais... Mais bon. C'est pas incroyable non plus. Ok, on peut chercher autre chose. Il faut autre chose, est-ce qu'on veut sacrifier autre chose? On fait sacrifier ce vagabond ou pas? Je pense pas. Hein. Mon tour. Je pense qu'on peut encore passer un tour et team arrête et... Oh, bah c'est très bien, on peut faire ça plus team arrête. Ça plus team arrête, on va filtrer 2 landes. C'est pas mal. Renata. Il faut qu'on aille creuser dans Catoblépas, dans Mayor's Grasp. Yep, oui, il est 3-4, il est vénère à Timaret. En même temps, putain, il nous a mis 8 points double strike, forcément. Ouais, on aurait dû tuer peut-être au vagabond, mais bon, on pensait pas que la game allait tourner comme ça. Ouais. Après, Timaret, ça nous fait gagner des pèves, non? Si je dis pas de conneries. Il faut qu'ils aient des créatures. Et là, il n'y a pas dans le cimetière, et lui, non, puisqu'on a exilé la seule. Du coup, ça ne va pas faire gagner grand-chose là tout de suite. Quelle tristesse. On a 3 tours. Plus 4, plus 0, bien joué. Ah ouais, un vieux truc, un vieux boost, ça nous tuerait. Ouais. Il n'y a personne qui a la portée, là, par chez nous? Non. Ah bah, on meurt en 2 tours, finalement, et puis en 3. Ouais, enfin, en 2 tours, s'il a de nouveau un enchantement. Ouais, je pense qu'il en a 2-3. Bah, il en avait pas le tour d'avant, donc il faut qu'il le top deck. Ouais. Alors, on va sacrifier pas mal de trucs là pour pas mourir. Ouais. Bah, vagabond. Oui, enfin, donner la vigilance, monsieur. C'est pas bien problématique. Disons que si on sacrifie pas mal de bêtes, on peut aussi gagner des pèves avec notre propre team arrête. Et ça, c'est nice. Ah, c'est ce que je vais faire, là, je crois. Ouais, donc on va sacrifier à la fois Typhon... Ah non, mais non, parce que Typhon veut pas l'exiler. Ça, on s'en fiche un peu. On va sacrifier Vagabond. Vagabond, ça, c'est sûr. Ça sert à rien. Pas. Je crois que je vais utiliser Akapa Timaret sur Vagabond et je vais sacrifier Timaret. Il faut pas exiler deux créatures? Ah, c'est jusqu'à deux. C'est jusqu'à. Ok. Mais en fait, je peux faire. Regarde, je fais exiler son entraînement et dans l'autre cimetière, ouais, je vais exiler Vagabond. Confirmé. Ah, comme ça, s'il a un enchantement, on meurt pas. Hop, je sacrifie Timaret. Et on perd notre Timaret. On va meuler 3, ça sert à rien. Non, ouais, c'est trop. C'est pas ce qu'on veut là actuellement. On peut plus sacrifier, sinon on meurt juste sur une phase d'attaque. Attends, tu peux sacrifier ton Typhon et le rejouer. Hein. Ah ouais, mais si je fais ça, je jouerai pas ça donc. Enfin, je gérerai pas ça. Pardon. Je gérerai pas Pégase. Ouais, ouais, tu gères pas, ouais. Ok. Oh, yes. Oh, oh yes. Parfait. On gère ce Pégase. J'allais dire, bah ça trigger pas, bah non, a pu. Oh la chatte. On a eu chaud là. Oh, oh lolololo. Après c'est pas fini. Hein. Non mais bon, nous on peut trouver Klothys qui nous fait instantanément reprendre les rênes de cette game. Ouais, c'est vrai. Et on a quand même pas mal creusé, on l'a pas trouvé donc. Il va attaquer, on va bloquer avec le 4-4. Juste avec le 4-4. Ah, tu veux le double bloc? C'est possible de double bloc avec l'enjambeur aussi. Je peux double bloc et rejouer le Typhon. Ça me va. Hein. Et même rejouer l'enjambeur à terme d'ailleurs. Ouais, et s'il a un trix, bah, au bout d'un moment, de toute façon, il faut qu'il tombe ces tricks-là. On peut pas tourner autour. Ouais. Ah, j'aurais pu triple bloc en vrai. Triple bloc, j'aime pas, parce que s'il a un gros trix, il attrape tout le monde. Hein. Ouais, il a pas de tricks. Ah merde, j'aurais dû triple bloc. Ah merde, ah oui, parce qu'avec Voyageur, ouais, il. Je savais. Ah là là, je suis con. Ah ouais, je sais pas, je t'avoue, je l'ai pas vu, j'ai pas pensé. On va sacrifier Typhon pour avoir un Scry. How to throw the game. Ouais, on n'a pas perdu non plus. Hein. Non, on va pouvoir rajouter Typhon, mais. Mais effectivement, ça coûtait pas plus cher de triple bloc ce Colosse. Aïe aïe aïe. En plus, c'est obvious qu'il en est un, voici l'attaque. Donc. Du coup, on va rejouer Enjambeur devant Typhon. Ah non, non, on va jouer Typhon là pour matcher la. Ah, le problème, c'est que s'il a encore un enchantement, on chum block très très mal. Enfin, on a un 7-7 dans un 7-8. Ouais, après, là, c'est l'un ou l'autre. Hein. Parce que c'est 4 cartes du cimetière, on en a 6, donc je peux pas faire ça attends. Into ça en fait. Donc ça, c'est si genre, on attaque avec tout, on est mort de toute façon, je crois. Si on bloque avec Typhon dans la 6-7. Tac, on bloque ça, on prend 1. Enfin, on bloque ça, on bloque ça, on prend 1, 2, 3. Non, on est à 1. Ouais, peut-être qu'enjambeur est meilleur là. Je crois que c'est mieux enjambeur. Hein. Il va falloir que ça nous donne de bonnes cartes au-dessus par contre. Hop, 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 hop. Ah putain, on a Sro tout seul là. Après il était pas obligé. Hein. Choisissez l'effet de remplacement de marqueur plutôt que. Hein. Ah bah il l'a quand même, ok. Ouais, je comprends pas qu'Arena te propose. Ouais, je mets pas ce land en jeu au cas où. Pas d'attaque. Ouais, l'attaque il fait plus trop peur là. Non. Ça fait quoi? Ça lui permet de scry fin de tour, c'est ça? Ouais. Augure. Oh, elle est tendue celle-là. Il nous met que des pâtés là. Ouais, puis on se l'est rendu tendu tout seul malheureusement. Mm. Siona qui va peut-être trouver le létal du coup. Ça trouve un enchantement, c'est ça? Ouais, une aura. Mais bon, sur. Ah, il a fail, putain, sur cette carte, on a de la chance. Peut-être qu'il en a plus. S'il rate. Ouf. Voilà, je sacrifie pas, j'ai besoin de board. Ouais. Tu peux Typhon ou pas? Parce que si tu as besoin de board. J'ai rien, j'ai que Typhon. Ah, mais du coup, on est mort sur la phase, sur la contre-attaque là, même si tu sacrifies pas, on est d'accord? On bloque les plus grosses et on prend 1, 2, 3. Non, non, on est toujours vivant. Ok. Emprisonnement, nice, ça va permettre de rejouer Typhon à terme. Ah bah on lui donne une bête, c'est nice. Il manque une carte pour jouer Typhon. Si jamais tu sacrifies... Ah ouais mais non mais c'est mort. C'est pas bien. Ok. Pas d'attaque. End of turn. S'il top deck un enchantement et on l'a perdu. Ouais bah là il est one off donc dès qu'il a une interaction on a perdu. Ouais. Ah, on peut lui exiler deux créas par contre avec l'emprisonnement après pour qu'il ait 2 points de vie. Mais il va sûrement jouer ça en exilant les autres créatures pour pas nous trigger. En plus on perd contre un mec qui s'appelle Zatwin Block. Enfin on perd. On va peut-être perdre sur une phase de bloc sur un mec qui s'appelle Zatwin Block. Grave. Il va reprendre quoi en main? Ah bah il reprend une constellation. Ah non pas en main, au-dessus de sa bibliothèque. Un enchantement, il reprend l'augure, ouais, il veut nous refaire le même truc. Il a raison, ça avait bien marché. Là, le vide gredin quoi. Et il peut quand même jouer sa chimère répugnante. Elle est vraiment répugnante en plus cette chimère. Hein. Ouais. Oh, elle me répugne. Quelles sont les cartes qui nous sauvent dans notre paquet? Ah, il a laissé une bête, il est gentil. Bah là, il faut une carte qui mette 2 créatures, donc c'est compliqué. Ouais. Pourquoi il a laissé une bête? Je sais pas. Non mais parce que là on gagne des PEV. Si typiquement on a Klothys, ça met pas 2 créatures mais ça gagne 2 PEV. Oui. Mais non, ça gagne 2 PEV plus tard donc on est mort. C'est pré-phase combat? C'est première phase. C'est au début de ta première phase. Ah, c'est au début de ta main phase, ouais, donc tu peux pas. Ok, d'accord. Mon tour. Ouais. On pioche Klothys bien tard. Notre cimetière, du coup, on peut enlever. Il faut rien enlever, hein, je crois. Hein. Si jamais tu veux réanimer. Ah, mais non, mais on peut toujours pas le réanimer, le typhon. On peut pas réanimer Typhon et on va mourir, donc en vrai, il faut essayer le typhon, malheureusement. Ouais. Quelle horreur. Ouais. Quelle sympathique horreur. Pour passer à 6, moi je veux Klothys. Et est-ce que ça nous fait vivre? Je crois même pas. On va bloquer les plus grosses créatures, donc ça, 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 et une ça, et on prend 1, 2, 3, 4. Ah, attends, je crois que si on survit, attends, on bloque ça, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, on prend pile 6, on est mort. Horrible. Ouais, on est mort, ouais. En plus, il peut faire pump, avec Voyageur Pieux, il peut faire pump une de ses bêtes et... Ouais. On va voir, hein, peut-être qu'il attaque pas parce qu'il a peur d'un spell. Ouais, il a peur d'un Counter-Strike. D'un Counter-Spell. Il a peur d'un jeu de shoot sur PC. Fatigué quoi. Bah il attaque avec tout donc on a perdu. Ouais. On a bien joué Zatwin Block. Oh là là, dommage. Ah, on l'a trop là sur le, ouais, sur le bloc. Sur le il suffisait d'en rajouter un. Je suis pas persuadé que ça change vraiment ce qui se passe par la suite. Hein. S'il a plus à 6-7, non, on a toujours autant de créatures. Enfin, dans tous les cas, il nous tuait 2 bêtes en fait, pas 3. Oui, bien sûr. Et lui, il avait juste plus à 6-7, mais là, on n'est pas à une carte près, on perd sur le nombre de cartes sur le board et pas sur la 6-7. Si, parce que s'il n'y a pas la 6-7, du coup, il nous trade pas une de nos bêtes. On a l'avantage en termes de body sur le board, on peut lui prendre des trades. En fait, il nous trade le même nombre de bêtes, c'est juste que lui, sa 6-7, elle meurt. Mais là, à terme, après, il a jamais réattaqué, que sauf sur la dernière phase qui est là. Ouais, mais là, du coup, il attaquait pas, parce que sans sa 6-7, on lui trade nos bêtes, on n'aurait pas. Il manquait un point, mais c'est pas obvious qu'on gagnait quand même derrière, quoi. Ah non, je dis pas qu'on gagnait, mais en tout cas, on perdait pas, et si avec Klothys tournait, peut-être qu'on pouvait grappiller assez de trucs. En tout cas, c'était juste très dommage d'avoir ce row, mais j'ai pas vu la ligne. Non, mais moi, je me suis dit, ouais, non, ça tu vois, c'est ma... Bah, mes connaissances des effets du gameplay de Theros, genre typiquement ce petit 1-2 pour 1, moi dans ma tête il se buffe tout seul, il buffait pas les autres bêtes. Bah, moi j'ai joué plein de fois contre et dans ma tête il se buffe tout seul aussi, parce que souvent c'est le play qu'ils font en fait, quand tu le curves. Et du coup voilà, j'ai réussi à packer un bon draft, mais je dois avoir des méconnaissances de gameplay en fait. Ouais. Ouais, bah écoute, c'est pas grave, bon deck en tout cas, ça a fait plaisir de faire un petit peu de draft, notamment un deck que t'as drafté toi. Donc ça fait plaisir, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu. C'est un format un petit peu à la cool, ça sort de l'ordinaire. On a fait 4-2 sur cette session, on a fait du coup 5-2, enfin ton deck a fait 5-2 en tout. Je te laisserai finir les games en stream. Yes, je finirai vendredi matin. Du coup, vu que c'est déjà fini, mais... ouais, vous allez savoir, enfin ceux qui nous suivent en stream, vous allez savoir avant ce que ce deck a fait, mais vous verrez pas les games. Ou peut-être que tu le finiras la semaine pro du coup. Ouais, on verra bien. Voilà, on verra. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Commentaires, partage, pouce bleu, abonnement comme d'habitude, la petite cloche pour les notifications. Réseaux sociaux, Discord, Twitter, Facebook dans la description avec nos chaînes Twitch, Val PL Magic Arena FR et Val PL Gaming qui est active en ce moment. Je vous le rappelle et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.